When everything seemed to fall apart, I tried to believe in it, but nothing's changed at all. I can't forget about you, I can't control everything that's around me. Vous écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Salut Radio Biarritz. Bonjour, bonjour à tous. Avec finalement le grand soleil sur Biarritz pour l'instant, on croise les doigts. Une bonne journée à chacun de vous. Thank you.
Vous écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. On s'écoutait Audrey Véret sur Radio Biarritz. Ils vont nous envoyer des petits CD qu'on vous fera gagner. Ah, super. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Eh oui, oh, regardez les jolies fleurs que l'on a là. Oh là là, ça c'est le Pays Basque. Merci Martine. Et ses éclosions. Ça met un petit peu de fraîcheur. Ouais, c'est le printemps. Ouais. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est gâtés parce qu'on a de bons invités, magnifiques, talentueux, et je pense qu'on va commencer par un duo de guitaristes jazz manouche flamenco. Ils sont au téléphone normalement. Voilà, on va. T'as mis le téléphone, Thomas? Allô. Téléphone. Et qui passe donc, je le dis d'abord, qui J'entends passe pas. Au Colisée mercredi, donc c'est demain, mercredi 30 à 19h30 au Colisée, donc c'est Antoine Boyer et Samuelito, il ne faut pas les rater. Hein. Alors, des grands artistes. Voilà, internationaux, on va les appeler. Dans c'est en cours, et normalement ils devraient être en ligne. Il n'y a rien. C'est bonjour. Le Voilà. Bonjour. Alors à qui bon avons-nous fait. Affaire c'est, ici c'est bien Radio Biarritz déjà, bonjour. Bienvenue. Moi c'est Patrick. Très heureux d'être sur votre radio, ben là vous avez en direct Samuelito. Coucou Samuelito. Samuelito. Alors écoute, on va faire un peu connaissance voilà, pendant quelques minutes. Déjà donc j'ai annoncé que vous passiez demain soir donc, au Colisée à 19h30, c'est ça? Exactement. Ok. Alors Samuelito, qu'est-ce qu'on peut raconter à nos auditeurs pour leur donner envie de vous connaître un peu plus? Alors nous, avec Antoine, on a un parcours qui est assez particulier. Ouais. Enfin, je parle pour nous deux, tellement il faut avoir des précisions. Mais donc nous, on est français, d'origine française, de famille française, de culture, d'éducation française. Mais on est amoureux des cultures flamenco et des cultures jazz manouche, donc qui sont a priori des cultures et des musiques qui sont portées par des gens de la communauté gitane et manouche. Mmh. Donc c'est quand même assez à l'opposé de nos milieux respectifs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plutôt dans ces espaces-là? C'était la chance dans nos familles de pouvoir écouter. Chez moi, on écoutait beaucoup Paco de Lucía et du chant flamenco. Et puis chez Antoine, on écoutait beaucoup de jazz manouche. Et voilà, ouais, super. En famille. Ouais, d'accord, les premières imprégnations sont importantes. Hein, ça alors. Donc, alors raconte comment ça a évolué pour chacun de vous. Eh ben moi, pour ma part, donc pendant des années, c'était tout seul. Je travaillais tout seul, je ne partageais pas cette passion. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des cours de flamenco, de rencontrer plein d'artistes. Et puis, petit à petit, de voyager en Espagne. Et à force des rencontres et des expériences, voilà, maintenant, j'arrive à en vivre. J'ai rencontré toutes mes idoles. Wow. Donc, du coup, c'est... Mais ouais, c'est un rêve qui s'est accompli pour ma part. C'est incroyable. En plus, tu es jeune. Tu as quel âge? Et j'ai 28 ans. Mais Antoine est encore plus jeune. Ah ouais, non, mais c'est super d'arriver. C'est pas des questions qu'on pose aux jeunes hommes. Mais alors, Maëlia... Non, mais c'est génial d'arriver à être si proche de ses rêves si jeunes. Ça ouvre alors là des décennies encore de grand bonheur à partager en plus. Et alors, tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés? Antoine va... Ah, Antoine, oui. Ouais. On rencontre au conservatoire à Paris. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans la même classe de guitare classique. D'accord. Et voilà, donc on s'est rencontrés là. Et puis, il y a eu un festival, Festival d'Issoudun, de guitare d'Issoudun, où on a eu l'occasion de jouer ensemble. Et voilà, ça a fonctionné, du coup, on a continué. Oh là là, c'est trop bien. Alors finalement, au niveau du répertoire, comment ça se passe? Vous êtes tous les deux à vous dire, tiens, voilà, il y a tel morceau, il y a tel domaine qu'on veut explorer un peu plus. Comment ça se passe l'inspiration à deux? Ben c'est ça, chacun apporte des idées, chacun apporte des envies, des choses qu'il a envie de jouer. Et puis on essaye, on voit si ça marche. Si ça marche, on garde. Vous créez vos propres musiques? Donc du coup, vous êtes compositeur? On est compositeur et il y a les deux. Il y a des reprises, des morceaux déjà composés et des compositions. Donc vous avez un album?
On a deux albums. Oh là là, attention, mais alors on a des stars internationales. Deux albums, mais vous en faites un tous les combien? Parce que à peu près, là, c'est quoi le rythme? Ces deux, ils sont faits en combien de... Non, c'est pas si intense que ça en termes de production discographique. Le premier, ça devait être en 2016. Et là, le deuxième, c'était en 2020. Donc voilà, 4 ans de tournée intense entre les deux. Ah, alors, vous tournez où? Vous avez tourné où? Alors, faites-nous rêver un peu. Ah bah, on a eu la chance de... Bah, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Ah, super. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a fait beaucoup de pays. Bon, on a fait aussi un peu l'Afrique du Nord. Mais ouais, on a fait toute l'Amérique du Nord. Alaska, Canada, États-Unis, de Londres. Oh là là, carrément. Alors, comment c'est reçu votre musique? Parce que c'est vrai qu'a priori, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a que les connaisseurs? Comment ça se passe? Comment c'est reçu? C'est une très bonne question, parce que quand on a commencé notre duo, c'est quand même un duo de guitare, donc a priori, c'est pas ce qu'il y a de plus attrayant pour les gens en général. Mmh. Mais comme notre répertoire, surtout quand on a commencé, ça... Alors évidemment, il y avait nos idoles qu'on interprétait, Paco de Lucía, Django Reinhardt, mais aussi... David Bowie, Vivaldi et nos compositions, donc c'est tellement large. Au final, ça a été très bien. On a toujours été très surpris de l'accueil des gens. Même des fois, on sent qu'on arrive dans des salles où il n'y a pas forcément des connaisseurs de guitare. Mm-hmm. Et à chaque fois, vraiment des très très chaleureux, des retours. On a souvent des standing ovations, alors que bon, on se dit pourtant c'est que de la guitare, mais ça marche. On a même fait, même quand on avait fait la première partie, de gens comme Julien Doré avec 3000 personnes, on s'est dit oula, c'est pas le notre public. Ouais. Même là, ça a super bien marché. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Puis ça inspire d'autres gens. C'est parce que c'est vrai qu'a priori, un duo de guitare, bon, enfin, c'est vrai qu'on n'est plus habitué en tout cas. Non, mais le talent plaît toujours. Hein. Inspire toujours. Bah, inspire toujours. Et non, et puis plaît au public, parce que même moi, quand je fais des concerts aussi où il y a des découvertes en première partie, bah, en fait, la virtuosité, le talent sur scène, ça emporte. C'est sûr. Hein, il y a jouer de la guitare et jouer de la guitare, voilà. N'est-ce pas? Il y a une question de posture aussi, ça veut dire qu'il y a des musiciens qui font vraiment de la musique un peu pour musiciens, mais notre posture elle est plutôt d'offrir notre passion, c'est-à-dire qu'à la limite c'est pas forcément, même si on fait des fausses notes, même si on fait des erreurs, pour nous c'est vraiment pas important, pour nous l'essentiel c'est vraiment de transmettre, voilà, et oui, de passer à donner quelque chose, et je pense que c'est ça qui se sent. Ça c'est la différence, parce que c'est vrai qu'on est devenu devenu trop technique finalement, je trouve, hein, et c'est vrai qu'on a envie du son qui peut un peu... De l'authenticité. Voilà, d'authenticité. Et Thomas. Et oui. Yaman. Et du fun. Vous écoutez Radio Biarritz. La radio. Du fun. De l'authenticité et des... Eh oui, authentique sur Radio Biarritz. Oui, donc yes. Avec Antoine Boyer et Samuelito, donc, qui passe demain, mercredi 30, au Colisée à 19h30. Il faut absolument que vous alliez les voir. Vraiment, vous allez être remué de l'intérieur. Et alors, dites-moi, donc vous faites une tournée un peu dans toute la France, là, en ce moment? Alors, en ce moment, pour demain, c'est complet. Alors, je sais pas si... Ah, c'est complet. Waouh, wow, bravo, bravo. D'accord. Les concerts reprennent petit à petit, donc c'est vrai que c'est chouette, ça commence à rejouer à l'international à partir de cet été, à la rentrée, donc c'est trop bien. Et est-ce que chacun de votre côté, vous faites d'autres choses, ou comment, vous avez d'autres groupes, vous jouez avec d'autres personnes ou pas? Oui, on a chacun nos projets aussi. D'accord. Personnels. Ok. Ça, on en parlera quand vous viendrez nous voir au studio. Et alors, dans les mois qui viennent, finalement, le projet ou ce qui vous donne vraiment envie, ou voilà, ça pourrait être quoi? Bah là, on a plein de vidéos YouTube des beaux clips qu'on a envie de faire, qui vont arriver dans les viennent. Ça, c'est bien. Ça, c'est super important. Ouais. Nous, à Biarritz, je pense qu'on va continuer à organiser souvent des événements. Là, je donnais une conférence sur la musique. Longtemps, donc ah bon, voilà. D'accord. On a envie de vraiment participer à la culture locale et de créer plein d'événements, plein de rencontres.
Ah bah alors, musique, la... on va faire ça ensemble, on va collaborer. Écoutez, on est là pour vous, donc dès que vous avez des choses voilà, dont vous voulez parler, vous nous appelez ou vous passez. Vous pouvez passer nous voir si vous pouvez. On est juste en face, hein, on est vraiment juste en face du Colisée, hein, au numéro voilà, 24. Bien donc, le Kansas à Biarritz, il n'y a pas... Voilà. C'est pas le Texas deux... ici. Hein. Ah oui, t'as vu, on a pensé à la même chose avec Thomas. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de, voilà, de que vous soyez là, de faire partager à nos auditeurs... Oui, tiens, je vais faire passer une musique, je vais la retrouver. Oui, voilà. Vous nous avez envoyé une musique, je crois. Hein. Je vais la retrouver, on va la passer là. On va passer un de vos morceaux. Et puis vraiment, un grand merci à tous les deux, un grand bravo et de, voilà, plein de belles choses pour la suite. Merci à vous. C'est un plaisir de vous rencontrer. Voilà, au plaisir qu'on se voit pour de vrai. Et n'hésitez vraiment pas, dès que vous avez des choses prévues, ben vous venez nous en parler d'abord. Ok ? Merci beaucoup. Alors, merci, on vous embrasse et on écoute un de vos morceaux. Attendez. Il me l'a envoyé à moi ou je ne sais pas qui l'a envoyé ? Non, sur Radio ma radio Biarritz. D'accord. Voilà. On va retrouver un morceau de vous et on vous embrasse fort et bravo pour demain. Bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Et en attendant, les amis, on s'écoute Eagle pour se réveiller sur Radio Biarritz. Bon réveil à tous. Écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Je me suis vu dire plein de trucs, et puis j'ai dit. Je me suis vu dire, un artiste d'Oléron, B3X à la prod. Je me suis vu dire, la vie c'est dur, on en chie. Parole d'un ancien, t'es bien ou ancien, t'es pas le moins, pas le pire. Je me suis vu dire, nique sa mère, l'avenir, nique ta mère, viens si tu veux venir, laisse-moi le finir. Je suis pressé de grandir, le système me pourrit et c'est de pire en pire. J'ai plus rien à perdre, c'est la merde, mais j'aime la violence, la drogue et les chiennes. Les soirées en bois du bâtiment, le bal en châtiment. Tellement dur si je représente le ciment. Je me suis vu dire, j'oserais jamais te mentir. Je tomberais pas dans ça, j'ai trop le mental, t'as trop la dalle. Je me suis vu dire, au lieu de parler, tu ferais mieux d'agir. Je fume pas, j'y vais à jeun, j'arrête la tease, les taspés, les joints. Je me suis vu dire, bientôt je tire au star, je vais peut-être finir. Avec le pis, je vais m'en sortir, désolé de t'avoir fait souffrir. J'arrive pas à m'ouvrir, je me suis vu dire, viens on cavale, y'a les stars qui sont hal, y'a des choses qui font mal. Les gars deviennent des femelles, si c'est la famille. Je prends ni coco ni pastille, on se tape une cuite au
ou pastis. Je me suis vu dire, je me suis fait planter, faut tout planquer. Ils ont demandé la peine plancher sur tes cahiers. Tu ferais mieux te pencher. Je me suis vu dire, y'a trop de demandes, y'a trop de monde. Je suis mi-ange, mi-démon. Dans la vie, je me démerde, y'a trop de son de merde. Je me suis vu dire, soir, tu peux pas rentrer. Je sais pas où je vais, tu ressens pas un français ni à ton refrain. Je me suis vu dire, si on tire, défends-toi. Baisse pas les bras, tu soulèves trop de poids. Pour moi, t'es un mec droit, j'ai faim, j'ai pas les moyens. J'ai plus envie de rien, je me suis mis bien. Des plans, j'en ai plein, je me suis vu dire. J'ai trop envie d'écrire, j'ai plus envie de rire. Marre des pâtés, du riff, fais tourner le son, c'est de la tuerie. Je me suis vu dire, retourne chez toi par un citra. Écarte tes jambes, tes bras, tu me plais pas. C'est pas la peine d'insister, toi RMI. T'es un assisté, j'ai l'impression d'être pisté. Cette histoire elle a été remixée. Je me suis vu dire, marre, tirer le banc des remplaçants. Je fais retour gagnant, je veux tout pas plus tard. Mais maintenant, mec, faut être patient. Je pars en mission, tu poses trop de questions. T'as la pression, la famille c'est précieux. Dans la vie, faut un objectif précis. Y'a rien à faire ici, je me suis vu dire. T'es renvoyé, tu vas en foyer, reste pas avec lui, il va finir en zombie. La télé, la scolarité veut te formater, te laisse pas influencer. Je serai jamais intégré, je me suis vu dire arrête de sucer, te la raconter, de michetonner, de mitonner. La roue tourne toi-même, tu sais. Dans cette affaire, t'es impliqué, t'es mal éduqué. Je l'ai vu se piquer, je l'ai fait zouker. Je me suis vu dire la gova, je l'ai décrassé. Cette meuf, je l'ai froissé, c'est lui qui m'a menacé. C'est lui qu'on a massé. J'ai moins peur de mourir que d'aimer. Depuis que ta meuf t'a changé, maintenant je suis rangé. Je me suis vu dire, je l'ai baisé sans podcast. Une lobe, ça j'espère j'ai pas le sida. J'ai 16 ans, je suis papa, je suis un sans-papier. Il est temps de palper la brinque, faudrait braquer. Braquer, 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 braquer. Je me suis vu dire plein de trucs. Et puis j'ai dit plein de trucs. Ouais, ok. Vous écoutez la matinale de 9h30 à midi. Là on s'écoutait, je me suis vu dire, donc le beatmaker B3X, et on vient de recevoir Anaïs dans les studios de Radio Biarritz pour une matinale complètement crazy. Ça c'est le moniteur, comme ça vous suivez en position. Attends, je vais voir si tu m'as branché au niveau du micro. C'est Direct and Live activé. Yeah. Ah. Toc. On s'installe. On s'installe sur Radio Biarritz. Chaud devant les enfants. Alors nous sommes toujours sur Radio Biarritz, hein, ne changez rien, vous n'êtes pas dans l'espace, ni dans les nuages. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors nous recevons, on avait déjà du charme à Radio Biarritz avec toutes nos chroniqueuses et Maëlia qui fait l'honneur d'être là, toutes nos chroniques. Mais nous recevons aujourd'hui Anaïs Ubi. Anaïs Ubi, qui fait rêver les petits et les grands, ouais, à Biarritz, oui, avec sa troupe, etc. Mais avec Maëlia va nous en dire. Sa compagnie, oui. Voilà, et puis déjà avec sa belle personne. Elle aime le surf, Thomas. Ah, j'ai vu ça. Thomas est et un le champion. Yoga, champion de surf de France. Champion de surf, voilà. Voilà, des déficients visuels. Représente Côte Rep. Ah non, j'ai pas les bons pads. Bon, alors, Anaïs, bonjour. On est ravis de t'accueillir donc, dans les studios de Radio Biarritz. Alors donc, si tu as envie un peu de nous raconter comment tu es arrivée à cette chose extraordinaire là, que tu proposes à tout le monde, ta compagnie, et puis ce que tu fais toi par ailleurs. Oui. Alors, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai la chance d'avoir grandi ici. Et j'ai toujours fait de la danse. Je suis passionnée de danse depuis toute petite. Vraiment, alors ça c'est venu petite. J'ai fait beaucoup de modern jazz depuis l'âge de 4 ans. J'ai fait du classique, tout plein de stages de styles de danse différents. Et puis je ne pensais pas réussir à faire de la danse mon métier. Pour moi c'était un rêve et en fait j'ai continué mes études. J'ai fait un bac plus 3 dans une école de commerce. Oh, enfin, oui. Voilà, un parcours donc, vraiment... L'école de commerce mène à tout. Voilà. Ça me sert quand même finalement aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Et puis j'étais en dernière année à l'école de commerce en alternance à Bordeaux. Et là j'ai eu comme un flash parce que je dansais déjà par ailleurs dans quelques petites troupes. Voilà, je faisais des petits cachets partis par là. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai tapé sur Google « audition de danse à Bordeaux ». J'ai passé un casting pour être à l'Ange Bleu à Bordeaux.
Et là, j'ai été prise, j'ai fait une tournée en Chine avec eux. Oh là, L'Ange Bleu, dis-nous ce que c'est. Donc L'Ange à Bordeaux, Bleu, c'est un cabaret, d'accord, un grand cabaret, 1400 places. Ah, et, oui. Et du coup, j'étais dans la troupe extérieure aussi. On faisait plein de spectacles un petit peu partout en France. Et puis en revenant de cette tournée en Chine, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'il n'y a pas de troupe comme ça ici. Et oui, c'est vrai. Donc je me suis lancée et j'ai acheté plein de plumes, de costumes à paillettes, etc. Et puis j'ai eu envie de tenter. Je me suis dit, de toute façon, je suis jeune. Au pire, si ça ne fonctionne pas, je revendrai mes costumes. Mais j'avais l'envie d'essayer. D'accord. Et puis du coup, bah, j'ai créé un spectacle. J'ai fait passer des auditions. Après, j'avais quand même quelques contacts, mais j'ai fait passer des castings. Donc, c'était un petit peu difficile de me retrouver finalement de l'autre mais côté. Mais c'est super. Mais ouais, j'étais ravie. Donc, l'idée du cabaret, c'est venu tout de suite après L'Ange Bleu. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qui t'a donné le goût. Totalement. Et un cabaret, donc, qui avait un... Un cabaret un peu moderne, voilà, ouais, parce que voilà, c'est vrai que je suis jeune, donc j'avais envie de mettre des morceaux comme Stromae, les Brigitte, de moderniser un petit peu ce qu'on pouvait voir, mais sans pour autant renier le French cancan, les plumes, les paillettes, je voulais quand même garder ces choses-là. Et pour le coup, ça a bien fonctionné. On a fait plusieurs spectacles au Casino de Biarritz. Donc ça a commencé, c'était quand alors exactement? C'était en 2016. 2016, ah oui, voilà, ça commence à faire. D'accord. Et tout de suite, tu as été vraiment, ça a été apprécié ou ça oui, a été... Oui, ouais, tout de suite, ouais, ça a été apprécié. Et après, bah, j'avais des contacts aussi, donc ça a aidé. Ouais. Et puis du talent surtout, parce que c'est vrai, sans talent quand même dans ces métiers-là. Oui, Et puis je pense que j'ai surtout su m'entourer des bonnes personnes. J'ai une troupe d'artistes fidèles depuis ça, le début. Ça, tu vas nous le dire après. On s'écoutera. Ouais. On va s'écouter un petit morceau. Oui. Et tu vas nous raconter ça. Thomas est tellement content que tu sois là. Il attendait. We'll be right back.
Alors toujours avec Anaïs Ubi, donc qui a créé donc Anna Smile et compagnie. Yeah. Alors on en était donc, on a vu un peu comment tu étais arrivée à la création de ta compagnie. Tu nous disais que tu étais entourée effectivement de voilà d'une troupe. Est-ce que tu peux en parler un peu? Comment tu les trouves? Et puis j'ai vu qu'il y avait des danseurs, des acrobates, des meneurs, des meneuses de revue. Enfin, bah, dis-nous tout. Alors voilà, moi j'ai imaginé un spectacle d'abord dans ma tête et puis ensuite je me suis dit ben voilà, il faut quand même que je passe des castings parce que j'avais certains artistes dans mes contacts, mais voilà, je voulais aussi ouvrir et découvrir de nouveaux talents. Ouais. Donc j'ai fait passer des castings pour la danse, pour le chant, et ensuite voilà, au fur et à mesure que je vois des spectacles aussi, je rencontre beaucoup d'artistes. Mmh. Et du coup ça m'arrive très régulièrement de recevoir des candidatures spontanées. Ah oui, maintenant ça y est, ouais, et aussi si je vais voir par exemple un spectacle du Cirque du Soleil ou autre, des fois j'ai des artistes qui me proposent de pouvoir travailler avec nous sur des événements. Ah là là, mais ça c'est super. Voilà, mais c'est magnifique justement de pouvoir mélanger tous ces arts vivants. C'est ce qui me parce plaît, que justement. Voilà, je veux pas que ce soit un spectacle que de danse, voilà, ou que de chant. Mmh. Je veux qu'on voit un petit peu de tous les arts, tous les talents. Alors donc, dis-nous, j'ai vu qu'il y avait des acrobates, il y a des circassiens. Oui. En fait, dans mes spectacles, j'essaye voilà, justement de faire en sorte qu'il y ait des attractions, comme on les appelle, ce qui nous permet à nous de pouvoir nous changer aussi, de costume. Oui, parce que dis donc, tu vas nous parler de ça aussi, des costumes. Voilà. Ouais. Et du coup, j'adore les acrobates, que ce soit aérien, j'ai des artistes qui font du tissu aérien. Oui, j'ai vu, c'est Alda. Comment il s'appelle? Julien Alda. Oui, j'ai vu ça, ouais. Julien et Charlotte. Il y a beaucoup d'artistes qui sont locaux et également d'autres artistes qui viennent d'ailleurs et qui sont parfois connus à l'international. Je travaille aussi avec des effeuilleurs burlesques. Oh là là, ça c'est magnifique. Donc, les feuillages burlesques, ouais. L'art de se dévêtir, mais de façon très glamour. En voilà. Je crois qu'il va passer une audition, Patrick. Pourquoi pas? Et donc, j'ai plusieurs spectacles. On travaille aussi beaucoup avec des agences d'événements qui nous proposent pour des clients qui veulent organiser des dîners-spectacles, pour des séminaires, des congrès, etc. D'accord. Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux toucher vraiment plein de domaines différents. On ne s'ennuie jamais. Voilà. Voilà, notre troupe est basée ici, mais on bouge un petit peu partout. Là, ce week-end, on part dans un château à côté de Niort pour un anniversaire. Enfin, voilà, on a plein de spectacles. Voilà. Aussi bien en privé, donc les gens peuvent réserver. Oui. Alors dis-le, oui, voilà. Sur notre site internet, voilà. www.anasmile.com. Voilà. Ouais. et donc on propose des spectacles privés qui peuvent être découpés, par exemple, si c'est lors d'un repas, voilà. On peut faire plusieurs passages. Et ensuite, on a des spectacles qui sont ouverts au public, notamment le 16 avril, nous serons à la gare du Midi. Alors là, les amis, il faut y aller. Hein. Alors le 16 avril, donc, c'est quel jour? C'est le samedi. C'est un samedi soir. Alors donc, à 20h30 à la gare du Midi, on propose un show disco. Oh là là! Ah, c'est bien, on a déjà la boule à facettes. On peut venir, madame, on a la boule à facettes. Ah, c'est super! Voilà, avec des musiciens en live, du chant, de la danse. Voilà, là, ça va être. Trop bien, ça va être la folie. La fièvre du samedi soir. Oh là là, ça va rappeler les jeunes années, ça, dis donc. Moi, j'ai eu la chance de voir ces spectacles quand même. Alors, dis-nous. C'est bien. Non, c'est très. Ça reste entre l'artiste et le spectateur, tu vois, c'est très intime comme relation. Oh là. C'est comme la musique, tu vois. Oh là. Il y a des chanteurs aussi. Oui. Alors, comment tu les trouves, les chanteurs? J'ai proposé des castings et ensuite au cours de rencontres, de spectacles que je vais voir, etc. Ça m'arrive d'avoir un coup de cœur pour un artiste et de lui proposer, ou alors l'inverse, que lui m'envoie son CV et me dit « Oh, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. » D'accord. Donc, et en fait, c'est des reprises ou alors vous créez aussi? Non, là, c'est des reprises. D'accord. Et là, on prend les meilleurs tubes pour ça. Disco. Ça, il y en a. Il y a de quoi s'amuser. Mais sinon, il y a aussi des créations. On n'a pas encore créé de musique.
musique ou de chansons proprement à nous, mais c'est un projet. Ça viendra, voilà, ça viendra. Oui. Par contre, l'interprétation est originale. Voilà. Ah oui, oui, la mise en scène, tout ça, c'est original. Ouais. Alors, tu vas nous parler après un petit morceau de musique, des costumes et de tous les techniciens et tout. Parce que puis, il y a des acrobates aussi. Moi, il y avait des acrobates. C'était un très, très grand spectacle, très complet, très étonnant pour la région, comme tu disais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Tu vois, c'est du local et c'est bien fait. C'est comme Radio Biarritz, mais en mieux. La cumbia sur Radio Biarritz. Le clip de Twin Sweet Chilis, Buena Onda, est sorti la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir ça sur internet. C'est du local. Tous sur Radio Biarritz. Vous écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Un réveil en délicatesse, en talent, en explosion de vie avec Anaïs Subi, donc de la compagnie Anna Smile. Et on voyage un peu dans ton histoire et on est vraiment passionné parce qu'on se rend compte que déjà tout est possible quand vraiment on a le feu et qu'on y va, hein, qu'on croit en ce qu'on fait.
et qu'en plus on se donne les moyens parce que c'est quand même du travail. Alors est-ce que tu veux nous parler aussi de l'envers du décor? Et puis on parlera aussi, on a oublié des techniciens et des costumes. Bah, c'est vrai que quand on réfléchit finalement, le temps passé sur scène, évidemment c'est ce que je préfère et c'est ce qu'on préfère tous les artistes, mais il y a évidemment beaucoup beaucoup de travail en amont, déjà voilà, de création du spectacle, de création des chorégraphies, de répétition avec mes artistes, ouais. Et puis toute la partie commercial, logistique. Donc voilà, je réponds aux mails, j'envoie des devis, j'envoie les factures, je relance les clients. Et oui, l'envers du décor. D'où l'école de commerce finalement qui me sert. Et puis toute la logistique de préparation des costumes, les paires de chaussures. Oh là 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 là, alors ça raconte. Quand une danseuse malheureusement n'est pas disponible et que je dois la remplacer, voilà, c'est pas forcément la même paire de chaussures ou la même pointure. Donc voilà, on doit s'adapter toujours et évidemment les spectateurs ne doivent voir que des plumes et que des paillettes. Surtout pas voir ça. Et alors dis-moi, au niveau des costumes, tu as une costumière ou comment c'est? Alors j'ai plusieurs costumières et puis ensuite je fais faire aussi certains de mes costumes chez des plumassiers, on appelle ça les plumassiers qui fournissent le Moulin Rouge, le Lido, etc. Après j'ai vraiment un sens de l'écologie, je veux faire vraiment attention à la planète, etc. Et du coup j'achète aussi pas mal de costumes qui ont été dans des cabarets et des revues qui sont renouvelées. Donc ça, c'est bien. Il y a de plus en plus de secondes mains. Enfin oui, c'est des secondes mains, et puis parce que c'est vrai que les plumes restent aussi quand même longtemps. Voilà. Aussi, donc, et tu recycles le plastique. Et je recycle le plastique. Voilà. J'essaye d'en acheter très peu parce que voilà, pour revenir à la fée plastique, le spectacle pour les enfants. Personne va chercher, il faut vraiment le suivre. Et pas la fée clochette. Alors, j'ai la chance de faire aussi des spectacles pour les enfants aux petits bijoux. Et ce spectacle, donc, c'est Mehdi et Virginie qui l'ont créé de A à Z. D'accord, donc le petit bijou, hein, c'est un café-théâtre à Biarritz, avenue de la Marne, dans lequel j'ai la chance d'être comédienne. Wow. Et du coup, voilà, je fais des spectacles pour les enfants, des pièces de théâtre avec eux, dans lesquelles je chante, je danse. Et on essaye de faire passer quelques petits messages, notamment à travers de ce spectacle La Fée Plastique. Ah, mais c'est sûr. Pour les déchets. Et tu verrais les enfants. Ouais. Alors, quand elle sort, mais franchement, c'est vraiment chouette. Ouais. Et après, quand tu sors, parce que c'est très intime aussi, comme petit café-théâtre, c'est très c'est sympa. Vrai. Alors, les comédiens sortent, et puis les enfants, les dédicaces. Voilà, en fait, c'est marrant. Alors là, t'as l'impression, ils sont dans leur rêve, c'est vraiment bien, c'est bien fait. C'est important de toucher, de sensibiliser aussi les enfants à autre chose rêver. Que la télé, tu vois, ou les tablettes, les ordinateurs. C'est un public qui est quand même difficile parce qu'il faut réussir à les embarquer dans les histoires, et c'est un peu comme si on les hypnotise, mais en fait, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Voilà. C'est difficile de les garder tenus pendant tout le long du spectacle. Ça dure combien de temps à peu près? Ce spectacle-là, il dure 45 minutes. Et en vérité, ça passe super vite parce que comme il y a plein de lumières, des musiques, des chansons, enfin. Même les plus petits bébés, des fois, j'ai des copines qui ont un petit peu peur de les emmener. Et en fait, ça se passe super bien, pas un pleur. C'est le bonheur. Amenez-vous, bébé. Mais je pense que c'est lumineux, parce que étant donné que c'est lumineux, il y a plein de petites choses autour d'eux. Donc ils sont très intéressés, en fin de compte. Totalement, oui. Donc tu es vraiment polyvalente et dans l'art vivant. Je voulais parler aussi des techniciens parce que c'est important dans tes spectacles. Ça c'est pareil, j'ai la chance d'être très bien entourée. Voilà, j'ai mes ingénieurs du son, ingénieurs de la lumière, avec qui je travaille depuis le début et qui sont pour moi hyper importants parce que c'est eux qui s'occupent aussi du montage, qui créent carrément aussi les ambiances de lumière autour de nos chorégraphies, etc. Enfin, je leur laisse fondamental. Ah ouais,
c'est carte blanche, ouais. et je suis super contente de les avoir dans mon équipe. Voilà, c'est indispensable, parce que ça fait partie aussi du spectacle. Complètement, et on n'en parle pas assez, je trouve. Hein, souvent, c'est pareil, ils sont derrière. Voilà, ils veulent pas trop se mettre en première ligne. Et dis-moi, alors, quand tu as l'idée d'un spectacle, par exemple, un spectacle autour du monde, là, comment ça vient? Comment tu... C'est vrai que pendant le confinement, on a été tellement stoppé net, on pouvait ni plus voyager, ni plus bouger, même de chez soi, etc. Ouais. Donc j'ai eu cette idée de spectacle en me disant, je vais essayer de faire voyager les spectateurs un petit peu partout dans le monde, et avec des tableaux autour du monde. Donc un tableau brésilien, avec les plumes de toutes les couleurs, où on danse de la samba, etc. Un tableau French Cancan pour la France. Oui. Un tableau, voilà. En fait, j'ai imaginé un spectacle qui nous ferait voyager. Et, de pays en pays. Voilà. Et de pays en pays, avec de la vidéo, avec des décors. Ouais. Voilà. Oh là là, et ça a beaucoup plu le 31 décembre à la Gare du Midi, et j'ai hâte qu'on puisse le refaire à nouveau. Et alors, vous bougez beaucoup, vous allez où finalement? On va dans tous les pays du monde. Oh là là, quelle chance, c'est vrai? Ouais. On essaye vraiment de balayer presque tous les pays. Après, il ne faut pas que ce soit un spectacle qui dure 3 heures. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Et puis, j'essaye aussi de faire des choses qui ne se font pas forcément dans d'autres spectacles. Voilà. J'essaye de moderniser un petit peu tout ça, d'avoir des morceaux récents. Et de faire aussi partager beaucoup le public. Je veux qu'il y ait une interaction avec le public. Ah oui, d'accord. Et comment tu t'y prends alors pour les faire Il faut les embarquer. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les masques, etc., là, c'était un petit peu plus compliqué ces derniers mois. Mais là, on est libérés. La libération. De temps en temps, on propose au public de danser un petit peu, on descend dans le public. Et de venir en scène aussi, non? Oui, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis nous, on aime ce lien justement aussi avec les spectateurs. Oui, ça se sent. Ouais. On sent que vraiment... Et alors, il paraît qu'il y a aussi le surf dans ta vie. Oui, le surf. Ah, Thomas. Présent. Des questions, Thomas, c'est notre champion. Ouais, tu surfes où? Pourquoi plus de cabaret que de surf? C'est pas normal, ça. Ah, un cabaret sur l'eau. J'essaye de marier les deux, mais bon, les plumes, ça va pas trop dans l'eau, malheureusement. Ah non, ça c'est sûr. Mais j'ai chépé ma propre board il y a 3 ans maintenant. Ok. Et à la Shaper House. Et c'était une super expérience. Je surfe plutôt en longboard. Et donc là, je me suis fait moi-même ma propre planche de A à Z, en étant accompagnée par des shapers. Et alors, elle est surfable? Elle est largement surfable, elle est super. Non, parce que moi, ma première planche shapée, c'était pas surfable. C'est pour ça qu'on est super accompagnés. Ouais, je précise, on est avec des shapers tout le long, qui sont eux des professionnels. Donc, ils nous apprennent tout, ils nous montrent les techniques. Et après, c'est génial, justement, de pouvoir aller à l'eau avec sa propre planche qu'on a fabriquée. J'y ai mis, bien sûr, des petites paillettes. Tu vois, j'ai même mis mon logo, Anna Smile. Enfin, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, ça, c'est génial. Et je vais surfer. Là, j'ai eu la chance d'aller en Martinique cet hiver. Il y en a un autre aussi qui a été en Martinique. Les jaloux vont maigrir. Non, c'est une autre passion. Okay. Et j'ai la sensation de pouvoir comme danser dans l'eau, finalement, quand je suis en train de surfer. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que tu te donnes envie. Ouais. C'est vrai, on se dit, mais qu'est-ce que souvent on se restreint quand même, alors que finalement, tout est possible. Ouais. On va se passer un petit morceau de musique. Et j'aimerais après, peut-être, si tu as envie, que tu nous parles aussi de... Est-ce que c'est compatible avec une vie, par exemple, de maman ou de... Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup ça et on n'en parle pas assez, je trouve. On s'écoute quoi, Thomas? On va s'écouter John Zancastel, Paranoid. Oh là là. Vous écoutez la matinale de 9h30 à midi. Oh, you know why I don't hold down my soul decently. I said, I don't care, said the people that can't do it. Take some waves, some bounds, and enjoy it as well. Child, you can't. It's not a last piece of ice, so for standing prison, it's already beyond. Getting home, you finally say that the best part of it is the watching from the back. Forget, keep moving forward. You need a
I say, I don't care, take a deep breath, and now you won't jump. Take some waves, some nerves, and energy as much as you can. You know the last place, back, so stand up, please, please, I'm ready, baby, I'm good. Getting hold of you, we'll find a lesson. That best of all is no more change, come from the past. Can I remember it? Don't forget, get moving forward. No need to go so far, no need to look around. Just some friends on earth, just creating some sweet melodies. You should be alive, and come with my fingers and sing like in summertime. Summertime sur Radio Biarritz. Vous écoutez la matinale de 9h30 à midi. On se marre à Radio Biarritz. Et on a la chance de, voilà, d'entrer dans l'univers de, d'Anaïs Ubi, Anaïs Mal. Et vraiment, là, on en était enfin, hors micro, on parlait à la fois du surf, mais on parlait surtout des messages aussi que toi, en tant que femme, en tant que jeune femme, tu peux faire passer à travers tes spectacles. Et je trouve que c'est intéressant d'entendre ça. Je voulais dire juste que c'est vrai que quand on voit un spectacle cabaret, on se dit « Oh là là, ça va beaucoup plaire aux hommes, etc. » Et en fait, on voit à quel point les femmes apprécient nos spectacles, et notamment sur des numéros d'effeuillage burlesque qui parfois peuvent être dans l'imaginaire « Oh là là, des choses très très sexy, etc. Ouais. » En fait, non, on voit juste l'acceptation de la femme. Il y a un message très féministe dans voilà, le fait de pouvoir s'assumer, de faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on aime et juste voilà le fait que toute femme, même d'un certain âge, finalement apprécie ce numéro parce qu'il y a de la danse, il y a beaucoup de glamour et il y a de l'humour et ça plaît du coup énormément à n'importe quelle génération et c'est un message voilà très féministe finalement. Non mais c'est important, c'est vrai qu'on est à une époque en plus où l'image partout, Instagram, machin truc, on dit il faut être parfait, et je trouve que c'est bien votre génération là, de vous ouvrir d'autres possibilités et en fait la réalité, parce que la réalité on aime tous les physiques, toutes les formes, tous les corps sont les bienvenus justement sur scène et c'est ça qui est beau parce que on le met en lumière, etc. Bravo d'intégrer aussi des messages comme ça. Et alors dis-moi, une question par rapport à un peu plus peut-être intime, t'es pas obligée de répondre, mais comment est-ce qu'on peut concilier, c'est pas évident quand on fait ton métier, une vie alors amoureuse, de famille, enfin t'en es où par rapport à ça? J'en suis que mon chéri a deux garçons, donc je suis entre guillemets belle maman. D'accord. Et du coup, on a la chance d'avoir ces deux garçons une semaine sur deux, mais qui sont déjà deux grands garçons et qui sont
bah, adorable. Et c'est vrai que forcément, c'est une vie de famille prenante. Oui, il faut organiser leurs sorties, les activités, les repas, etc. Et après, voilà, j'aimerais beaucoup avoir des enfants et je suis persuadée que c'est compatible avec, avec ma vie pro. Le tout, c'est de s'organiser. Voilà, et voilà, il ne faut pas, en tout cas, se mettre de barrières et se dire que c'est incompatible ou qu'il va y avoir un jugement ou quelconque. Oui. Mais voilà, je suis persuadée, en tout cas, qu'il faut croire en ses rêves et foncer pour pouvoir mener à bien autant le côté pro que le côté perso. Ouais. Il faut trouver son propre équilibre. C'est ça. Tu es l'illustration que c'est possible. Et c'est vrai que il y a beaucoup de femmes dans les temps un peu plus anciens qui imaginaient soit je suis à la maison, soit je bosse, soit est-ce qu'il faut oui, il faut avoir des enfants, sinon on n'est pas une femme. Oui. Et maintenant, c'est vrai qu'on a quand même cette liberté de choix. Oui. Et surtout de ne pas être jugée, de ne pas se dire oh là là, toi. Donc, il faut préserver ça un maximum. Oh, oui. Il faut éclabousser voilà, de tous vos talents. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour notre belle Anaïs, Patrick, Margaret? Ben, rappelle-nous tes futures dates avec ton spectacle. Alors, mes dates, la prochaine surtout, c'est le 16 avril à la Gare du Midi, le samedi soir à 20h30. Notre spectacle Disco Fever. Oh là là, faut y aller. On peut réserver les places sur le site d'Entracte Organisation ou sur les sites de l'Office du Tourisme, oui, directement à l'Office du Tourisme de Biarritz. D'accord. Anglais, etc. Super. Donc ça, il ne faut vraiment pas le rater, les amis, hein, parce que alors là, ça va être la folie. D'accord. Je voulais dire aussi qu'il y a des beaux corps d'hommes sur scène. Oh, ah, oui. Patrick, il vient de postuler. Mais non, mais c'est pas. Bah, tu veux pas, il me postule. J'attends le casting. Avec une plume. Moi, je le vois quand même, Patrick. Hein, son plume, ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Dans les plateaux jeunes. Et la plume, c'est quand même quelque chose. Hein. Je pense que c'est ce qui fait tout. Ouais. Ça dépend où tu la mets. Oh purée. Oui, mais c'est vrai, les hommes. C'est vrai, les hommes sont présents aussi. Ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Qui c'est qui sonne? C'est le téléphone du sac à main. Alors, c'est pas moi, j'ai pas encore de sac à main. Ah bon? C'est peut-être ton rêve. Non, voilà, donc je voulais dire qu'il y avait des scènes avec des hommes aussi. Aussi, oui. Effeuillés. Oui. On va dire que il s'effeuille. Il n'y a pas que les femmes. Il s'effeuille aussi. Oui, ah, c'est génial. Voilà. Et voilà. Donc il y a aussi un message. Ouais, c'est un mix, en fait. Pour les hommes. Pour les hommes. C'est aussi. Vrai. Tu as raison. Il n'y a pas que pour les femmes. Parce que moi, en fait, en parlant de message, c'est un message féministe qui nous rappelle le pouvoir du corps des femmes, le pouvoir des femmes. Parce que justement, le fait, tu vois, cette notion de pouvoir des femmes est importante. C'est-à-dire que plus tu la caches. Et plus tu la mets dans un coin, plus tu reconnais pas son pouvoir. C'est vrai. Et peut qu'un équilibre entre individus, c'est l'équilibre de pouvoir. Alors c'est compliqué, je te dis, mais j'ai le pouvoir. Je sais pas si vous comprenez. La puissance du féminin, Patrick. Je pense le pouvoir, je veux dire, de pas se laisser avoir, le pouvoir de prendre ses décisions, c'est ce genre de pouvoir-là. Pas de force physique. L'indépendance, non. Nous, les hommes, on a la force physique, les femmes, vous avez c'est notre mental. Physique musculaire, vous, c'est. Nous, c'est mental. Mais pas que mental, on a tout. Oui, mais c'est pas mal. Mais il faut pas cacher, tu vois. Voilà. Moi, j'aime bien ce discours-là. Hein, oui, c'est perso. Bien. J'aime pas le discours des femmes qui disent ouais, on doit tous être égaux, tout ça, on sera jamais égaux. Non. Ça veut dire que tu effaces le pouvoir des femmes, hein, tu vois, si tu dis on est tous égaux, voilà. Non, dans certaines choses, certainement, il faut en parler aussi, parce que. Mais pas l'égalité complète, on peut pas l'avoir entre un homme et une femme. Ben voilà. Non, mais c'est même pas exactement. Le propos, c'est pas le propos, en fait. C'est vraiment d'arriver dans son unicité à être ce qu'on est. Et puis là, sur scène, en fin de compte, il y a des hommes et il y a des femmes. Exactement. Voilà. Et tous les deux, c'est feuilles. La vraie égalité. Et c'est génial. Donc, il faut tous y aller. Exactement. Est-ce qu'il y a un livre, un film qui t'a inspiré dans ta vie? Oui, il y en a beaucoup. Enfin, et encore aujourd'hui, voilà, je m'inspire, en fait, on va dire, de tout ce que je vois tous les jours. Ça peut être des fleurs, ça peut être une expo, des spectacles, parce que j'en vois beaucoup. J'ai la chance de même voyager, de voir des spectacles un petit peu partout dans le monde. Et en fait, tout m'inspire, même des fois de regarder les vagues et de regarder les surfeurs, ça m'inspire aussi. Voilà, si je fais par exemple une balade en montagne, ça va m'inspirer aussi. En fait, voilà, je pense qu'on est inspiré...
tout est souffle, à tout moment, par beaucoup de choses, en fin de compte. Beaucoup de choses. Et ça nous éveille en plus, c'est totalement, ça, c'est d'ouvrir bien les yeux et de regarder autour de soi. C'est ça. C'est là qu'on voit et ça nous donne aussi une petite idée qu'on peut après transmettre. Graines. Ouais, qui germe. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans ta famille, finalement, t'as reçu quand même beaucoup ou pas du tout par rapport à... J'ai reçu beaucoup d'amour et j'en reçois encore beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui était dans ma famille, le fait d'être artiste. Voilà, ouais. J'ai cette passion de la danse, mais c'est moi qui me suis construite ensuite avec cette troupe, etc. Et au début, c'est sûr que ça a fait un petit peu peur à mes parents parce qu'ils n'ont pas du tout cette carrière-là. Il n'y avait pas du tout d'artiste dans la famille, mais même éloigné ou non, quelqu'un... Après, j'ai mon arrière-grand-père qui était trompettiste et qui a fait partie de l'harmonie de Pomarès dans les Landes. Ouh. Voilà. Mais c'était pas un métier parce qu'à l'époque... Oui, c'était façon, en plus de son métier qui faisait ça. Ouais, d'accord. C'était un plaisir et je sais pas si ça a un lien. Après, mes grands-parents sont complètement fans de danse et ils dansent encore, ils prennent des cours de danse, ils vont au bal. Il peut y avoir un lien quand même. Donc il y a quand même un lien. Ouais. On aime l'art. Ils doivent être fiers de toi parce que c'est bravo. C'est une vraie réalisation. Ils ont une petite fille adorable qu'on adore et puis qui est sur scène, c'est génial. Ouais. Un vent de liberté souffle sur Radio Biarritz. On s'écoute sans attendre Canary Kitchen libre qu'on a vu avec Margaret à la Luna Negra. Ouais. C'était topissime, les enfants. Très beau spectacle. Ouais, c'était on a voyagé. On a voyagé avec eux. On voyage avec les Canaries et donc, c'était trop bien. Donc libre, je crois qu'il y a une quinzaine de langues différentes dans cette chanson. Oui, c'est ça. Avec des instruments de ouf, comment bizarre. Canary Kitchen qui sera là jeudi. Jeudi pour animer. Présenter. Ah ouais. C'est eux qui animent. Grand moment en fait, de tango. Ils vont beaucoup animer. Allez, c'est parti. Pour toi qui prie, libre. Pour toi qui marche, libre. Pour toi qui joue, libre. Pour toi qui écris, libre. Pour toi qui chante, libre. Pour toi qui danse, libre. Pour toi qui aime, libre. Libre si you bow.
Vous écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Et des vagues et et du charme. Et du charme. Ce matin, nous sommes dans le charme. On en a plein ce matin. Sur Radio Biarritz. On aurait dû amener des plumes. Et donc, oui, ce beau parcours qu'on fait avec toi, et on se dit que tout est possible et que finalement... Alors, les valeurs les plus fondamentales sur lesquelles, toi, tu t'articules... Je dirais la liberté, la solidarité. Ah, voilà. Et oui, tu vois, regarde. On a créé les voisins solidaires. Et oui, voilà. Et puis faire ensemble, quoi, en fait, ensemble, c'est ça. Ah, oui, ouais. Ça, c'est sûr. Enfin... De toute façon, toute seule, moi, je serais rien. Je dis toujours, voilà, c'est les personnes qui m'entourent qui font ce que je suis aujourd'hui et ma troupe, Anna Smile et compagnie. Voilà. C'est ça qui est toute son importance parce que, si je faisais un spectacle toute seule, ce ne serait pas du tout la même chose. Et j'ai eu envie, justement, d'avoir cette troupe pour qu'on soit tous ensemble et on est hyper soudés. Enfin, c'est comme une deuxième famille. Mais oui, c'est une deuxième famille. Et oui, alors maintenant, je vais parler un tout petit peu quand même de l'entraînement physique parce que ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Hein. On voit, nous, on a l'impression que voilà, comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer quelques exercices. il faut s'entraîner tous les jours. Hein. Voilà, c'est un exercice. Tu fais quoi quotidien. Alors comme entraînement? En gros, soit je vais faire du vélo, soit je cours, ou soit je danse, et je danse beaucoup. Ouais. Et il faut travailler évidemment sa souplesse, donc à travers soit du yoga, pilates. Mmh. Oui, ça aussi, c'est vrai que ça fait des renforts. Voilà, et on doit évidemment se renforcer. Renforcement musculaire, c'est très important. Et puis avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas se blesser. Ah, alors donc, c'est quoi une bonne hygiène de vie? Écoute bien, Patrick. L'apéro matin, midi et soir. Ouais, c'est ça, l'apéro. Non, mais voilà, faire attention à son alimentation, à ce qu'on mange. Après, ça, c'est quelque chose de toute façon qui est en moi, même sans le fait que je danse. D'accord. J'aime faire attention à ce que je mange et avoir un exercice physique sans forcément avoir un objectif derrière de performance. Oui. Voilà, je pense que c'est important parce que... Mais je pense que ton corps, il doit aussi le demander, ce que tu me... par rapport à ton exercice. Oui, oui, oui. Et il demande ce que tu as besoin, si tu as besoin de ça ou ça. Pour... Totalement. Bah, on a vu ça quand on a été confinés, justement. Oui. Tout d'un coup, de s'arrêter, ça a été dur parce que on s'est dit, mais mince, tout d'un coup, je vais prendre du poids, etc. Donc, alors, autour du poids d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseuses qui, moi en tant que psy, j'ai reçois aussi dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Vous en parlez entre vous? Oui, on en parle beaucoup et justement on est très bienveillant et très bienveillante entre surtout les filles, parce que il y a tout un aspect justement quand il y a des écoles de formation où on nous dit attention, toi tu es trop grosse, ou attention, il faudrait que tu perdes quelques kilos, et ça crée parfois de l'anorexie, des maladies, des boulimies, des troubles psychologiques aussi. Ah oui, psychologiques, c'est ça, la boulimie, des traumatismes, clairement on peut en parler. Donc moi je suis très bienveillante et je pèse pas du tout mes danseuses, enfin voilà, on est j'aime en plus, voilà, comme on disait tout à l'heure, le corps sous toutes ses formes, avec ses rondeurs et ses formes, donc voilà. C'est important de le dire, c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est terrible, hein, dans certaines écoles, tiens, toi tu montes pas là, et puis avec des mots blessants. Totalement. Qui restent à vie, donc... Et alors, pour terminer, au niveau de justement mental, parce qu'il doit y avoir des hauts, des bas, peut-être parfois, est-ce que tu as une façon spéciale, toi, de gérer les moments un peu plus compliqués? J'écoute beaucoup de musique et puis ensuite, j'essaye toujours de me dire que le positif est là et qu'il faut croire... en la vie, croire en ses rêves et je suis quelqu'un de très optimiste. Oh là là, donc c'est tout à fait ce qu'on aime à Radio Biarritz. Exactement. Ah oui, non mais ça se sent. Tu fais du yoga aussi, non? Oui, je fais du yoga. Et ça, parce que t'es je sais pas si vous trouvez, mais elle est très posée. Ah oui, centrée et en même temps pétillante, tu vois, il y a les deux en même temps. Non mais c'est beau, c'est vrai. On sent qu'il n'y a pas de déperdition énergétique.
que c'est là, mais en même temps, ça émane. Voilà. Alors moi, oui, ça émane, mais ça attire aussi. Eh ben oui. Comme un aimant. Là ben là. Voilà. Ouh là là, Patrick, non, attention, c'est l'heure. C'est de l'énergie. On parle d'énergie, mais ça a deux sens. Ça rayonne. Et alors, Patrick, tu voulais poser la question du cadeau, tu sais, tu m'avais dit. Ah oui, là. Non, bah oui, oui, non, parce qu'en fait, on va lancer prochainement, rapidement, en fait, la roue est dehors, la roue de la chance. D'accord. Donc, si tu avais envie de faire plaisir à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais faire? En passant par Radio Biarritz, sachant que... Un petit cadeau ou une attention, est-ce que voilà, tu pourrais... Ça pourrait être... comme les stars, une heure avec... Voilà. Non, ça pourrait être une place de spectacle, ben oui. Éventuellement pour le 16 avril. Oh là là, bravo. Je ne sais pas si le jeu sera fait avant. Oui, 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 ben, c'est quand on attend justement. Voilà. On va le lancer rapidement là, voilà. Début avril, donc c'est parfait. Super, c'est merci vraiment beaucoup. Notre premier beau cadeau. Là. C'est magnifique, super. Ben, Maëlia, tu te mettras en contact avec Anaïs. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Okay, super. Ah, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ben, je voudrais juste vous remercier, que c'était un vrai plaisir pour moi d'être là. Ben, un grand plaisir pour nous aussi. Ah oui, il faut qu'on prenne la photo. Les on enfants. Va prendre une photo. On qu'est-ce oublie tout le temps. La photo là, ah ouais. Comme on est au four. Ouais. Il nous faudra un photographe expert. Ah, moi, je peux faire. Ah, ouais. J'en suis sûre que tu seras un bon photographe. Tiens, Patrick, oui. Voilà, attends, je vais. Vous écoutez la matinale de 9h30 à midi. Avec les fleurs, attends, on va les mettre un peu plus comme ça. Non, c'est bien là c'est tu, l'as, tu les as dans le cadre. Bien allez, hop. Avec mon teint lumineux. Dans les studios de Radio Biarritz, c'est l'heure de la photo. La séance photo. Vas-y, tu peux bah, non, non, c'est un bon photographe, il dit. Vas-y, parce que comme. Vas-y. Voilà. Non, faut que Patrick, qu'il y ait un grand tente bras. Des choses, visiblement. Tu en fais une et après on en fait d'autres. Vas-y. Attends, elle a loupé quoi? Et en fond musical, on s'écoute tu sais, Canal une Kitchen. Une perche, bon, voilà. Ouais, c'est une perche là. Je ne pense que j'adore ton sourire, Jolie. Oh, ouais, j'adore. Oh non, non, tu ne portes jamais son sourire. On est de tous les quatre. Allez, ouais. On se retrouve juste après la séance photo. Je veux le septième ciel. Extra sensoriel. Tout, my day, side tout, my day, side tout.
Vous écoutez la matinale de 9h30 à midi. First trip de Twin Sweet Chilis dans les studios de Radio Biarritz. Eh ben, désolé, on a une petite heure de retard. Parce qu'on a pris un avion et puis on n'a pas atterri, quoi. Non, c'est, on avait, il y avait une priorité, c'était le charme et l'élégance. On est en direct, oui, coucou Gérard. Très bien, oui, j'ai vu Anaïs. Alors, bienvenue, bonjour tout le monde d'abord. Coucou, bienvenue à Anaïs, qui est une sportive. Pourquoi tu es digne du Bordy Club de Biarritz. Ah ouais, elle est super, ah ouais, vraiment incroyable. Ah oui, ça serait bien de lui dire de. Hein? Elle est partie. Oui, elle est partie, Ah, d'accord, oui. Je voulais dire un petit mot parce qu'elle a parlé d'un ami, là, qui est au Cirque du Soleil. Elle a parlé du Cirque du Soleil. Ouais. Et on a la maman d'un artiste du Cirque du Soleil qui est au bord du club et qui habite ici, quoi. Ah, d'accord. Et il a eu un grave accident, oui. Ah, c'est lui ? Oh là là, zut alors. Ouais. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, il a eu un grave accident. Mm. Bon, eh bien, je vais vous parler de sport maintenant.
Vous êtes d'accord? Oui, oui, Gérard. On est là, on écoute. Ça va nous faire faire du sport. Alors, j'ai rien allez. Fait de la ouais, semaine. Allez. Alors, tout d'abord, la marche dans l'eau de mer. Je ne vous ai pas vu dans la marche dans l'eau de mer d'hier matin. J'en ai croisé qui rentraient, mais ils n'avaient pas marché dans l'eau de mer. Bon, bah, ils ont marché bon, ailleurs. Ben oui, demain. C'est à quelle heure demain? Ah, demain, c'est à 15h30. Oh, ben ça va alors. Okay. S'il ne pleut pas. Ouais. C'est très bien. Bon, je viendrai. Oui. Demain, je sens la climat. Après, une fois que t'es mouillé, t'es mouillé. Ouais, mais bon, à 15 bon, degrés. Ben, oui. Bon, alors, je vais tout d'abord vous parler de rugby. Alors, le BO a été battu à Montpellier. C'est 22. Il a marqué 22 points. Il menait la mi-temps de 22 à je ne sais pas combien. Et ils ont perdu au final 37-22. Ah, quand et même. Montpellier était premier. Il faut rappeler que Montpellier était premier. Donc, c'était une bonne performance. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de chance. On va les retrouver en Pro D2 l'année prochaine. Il faut quand même dire que samedi prochain, à Biarritz, à 17h, il y a le BO qui joue contre Pau. Alors, ça va être on va être envahi par les Palois qui vont venir ici voir supporter leur équipe. Mais normal. Voilà, oui, et sur leur idée, on va dire un petit mot sur les obsèques de Frédérico qui a eu un accident. Alors, il y a eu les obsèques à Sainte-Eugénie, à Biarritz. Il y avait 1500 personnes environ qui l'ont beaucoup accompagné pour son dernier voyage. Voilà. Je voulais dire aussi sur le rugby, il y a Serge Blanco qui fait une réunion à 16h à Aguilera sur le terrain de Benderne au sujet de la section BO rugby amateur. Il y a des problèmes à l'intérieur, mais au BO, il y a toujours eu des problèmes depuis 50 ans. Alors, c'est pas nouveau. Pas de cheveux, voilà. Alors, donc, cette réunion a lieu à 16h à Aguilera sur le terrain de rugby de l'annexe, le deuxième terrain. Voilà. Oui, c'est une histoire de... Ils ne se reconnaissent pas et ils envisagent quand même de faire une procédure et d'aller tous au tribunal, ce qui n'est, voilà. pas, ce qui n'est pas très intelligent de la part de tous ces gens. Voilà. Alors, on va parler ensuite de golf. Le golf, vous savez que Radio Biarritz, c'est la station du golf. Alors, nous avons des biarros. Le premier, c'est Victor Pérez. Il va jouer et ils ont joué la semaine dernière, Victor Pérez et Paul Barjon, sur le circuit américain, la première division, et ils ne se sont pas qualifiés. Je vous répète rapidement, il y a 140 joueurs, au bout de deux, ça dure sur 4 jours, au bout de 2 jours, il y en a 70 qui rentrent chez eux. Voilà. Malheureusement, Paul, ah oui, c'est impitoyable, c'est comme Dallas. Alors, Paul et Victor Pérez n'ont pas été qualifiés. Sur le Challenge Tour, par contre, il y a un Français qui a brillé sur le Challenge Tour, c'est Clément Sordet qui a gagné la compétition en Afrique du Sud. Et il y avait deux biarros, Paul Elissal et Hugo Cousseau, qui eux ne sont pas qualifiés. Au bout de 2 jours, hop, à la maison. Voilà. Ensuite, il y avait au Qatar, il y avait une compétition. Le seul régional de la d'ici, c'était Mathieu Pavon, qui est de Bordeaux, qui a fini 27e. Il y avait, par contre, des biarros en Égypte. Il y avait Nicolas Calvé et Antoine Auboin. Ils ont terminé 21e et 24e, ce qui est pas mal pour un début. Oui, parce c'est que pas mal. Oui, c'est en 4e division. Mm-hmm. Ce sont des sportifs qui démarrent la saison dans le métier. Mm-hmm. Et ils ont beaucoup de mal. Il faut qu'ils commencent par la 4e division, 3e, 2e et 1ère. Alors là, c'est un bon début quand même. Par contre, chez les femmes, parce que les femmes sont là pour redorer le blason. Comme d'habitude. Nous avons une comme d'habitude. On se calme, les filles, on se calme. Hein, voilà. Non,
Anaïs est partie, musienne, donc... Oui, c'est une musienne qui s'appelle Anis Kodal, qui a terminé 11e en Afrique du Sud. Alors ça, c'est une belle performance pour elle. Elle va monter, elle va grimper dans le classement français, dans le classement mondial ensuite. Et il y a une jeune femme qui est aux États-Unis sur la deuxième division, qui s'appelle Emma Brose. Elle a fini cinquième à Beaumont, à Beaumont, en Californie. L'espoir, les femmes deviennent vraiment les femmes du golf. Ont dépassé les garçons là, maintenant. Wow, ça, c'est bien. On se calme, les filles. On sait bien. Les filles, oui. Et en surf, je crois qu'elles les dépassent aussi, non? Ouais. Dommage. Il y en a qui sont beaucoup plus fortes. Ça dépend des vagues. Ça dépend des vagues. Oh non. Plein de choses. Mais... Ça, c'est pas sympa. Pas besoin d'être une femme ou un homme pour être meilleur que l'un ou que l'autre. Tout à fait. Alors, c'est je vais bien. Vous donner le et l'une. L'une et l'autre. Je vais vous donner rapidement le classement mondial. Alors, il y a un nouveau numéro 1 mondial. Il s'appelle Scottie Scheffler. Alors, c'est un Américain. Mais il a détrôné notre voisin de Bilbao, John Rahm, qui fait son métier aux États-Unis. Et John Rahm se retrouve deuxième. Mais félicitations à Scottie Scheffler, parce que ça fait un petit moment qu'il gagne à peu près tout, il finit dans les 10 premiers. Waouh, super. Notre ami Victor Pérez, qu'est-ce que vous avez débloqué là? Je vous entends rigoler. Non mais attends, c'est pas... Alors, tu vois, il a de pas... Ça rigole depuis tout à l'heure, Gérard. C'est la tête à Patrick. C'est la tête à Patrick, la tête à Patrick. Il fait plein de grimaces. Il fait le clown incroyable. J'ai vu Anaïs. Anaïs est une femme remarquable. Elle fait du sport. Remarquable. Alors on va essayer de la recruter dans les... J'étais plus calme quand il y avait Anaïs. Je la ramenais pas, les gars. Alors, le classement mondial, le premier français, donc, c'est Victor Pérez. Il est 132e. Il descend régulièrement parce qu'il fait pratiquement plus de compétition pour le moment. Et ça tombe. Alors, je vais vous donner les classements de nos régionaux. Oui. On en a deux dans le 1000 premier. Donc, Victor Pérez, 132e. Hugo Cousteau, il est 563e. Et Paul Elissade, qui arrive dans le circuit, il est à la 819e place. Oula! Voilà. Donc, d'accord. Bon, alors, bon. Il y a un phénomène qui est attiré sur le... Il y a un phénomène qui est arrivé, c'est une femme, c'est une Thaïlandaise, elle a 19 ans. Ah ouais, bien. Ah bah ouais, bravo la Thaïlande. Et oui, et elle gagne à peu près tout là, sur le circuit américain. Super, alors, ça c'est bien. Voilà. Alors, cette semaine, on a au Texas Paul Barjon, au Texas sur le PGA. Les femmes, elles sont en Rancho Mirage, il y a Céline Boutier, Pauline Roussin-Bouchard et Perrine Delacour, ma fille. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en Afrique du Sud, il y a une douzaine de filles qui sont là-bas. Et notre Paul Elissal, notre Garou, qui va être sur le Salon Tour, toujours en Afrique du Sud. Voilà, c'est d'accord. Tout ce que j'ai à vous rendre. Bah, dis donc, alors, c'est bien, t'as bien bossé. Oui, je vous fixe rendez-vous demain à 15h30. Demain à 15h30 sur la plage. C'est sur la grande plage jeudi, oui. Oui, à la grande plage. Oui, et jeudi à 16h, à 14h, du moins, au phare de Biarritz pour la découverte du golf avec le Birdie Club. Donc ouais. C'est au phare de Biarritz ou c'est au golf? Thomas sera là. Uniquement s'il fait non, beau. Non, c'est le phare. On est au phare, on est pas mal. On est 7 ou 8 à se retrouver. C'est très amusant pour découvrir le golf avec des nouvelles techniques. Dans la nature. À jouer au golf rapidement. Ah, bah, oui, on est au bord de la mer. Et avec de la chance, vous pourrez trouver des plumes. Et après, si vous avez du courage, vous pouvez vous les mettre. Bah, je peux peut-être en sur les costumes. Je vais en emmener une pour Thomas s'il vient. chacun vient avec sa plume. Hein. Mais Thomas, ouais, je sais pas. Est-ce qu'il a déjà Thomas? Est-ce que tu as déjà été au phare là?
Au phare ? Oui. Je suis déjà allé au phare, oui. Oui, mais pour la rencontre du golf. Ah ben non. Ah ben non, encore. Toi, pas encore. Toi, tu viens en soirée. Attends, mais Gérard... Il est débordé, ce pauvre Thomas. Ouais, oui, non, mais il faut que tu le boostes, là. Ah, mais je dis, s'il fait beau, on y va. S'il fait beau, on y va. Mais de toute façon, l'été arrive, et là, ça va être un nouveau départ. Bah, oui. Ouais. L'été sera chaud, l'été Non, mais un nouveau départ pour tout le monde. Oui. Oui. Et donc, on s'écoute Mota, les gars. Oui, Mota, Mota. Nouveau départ. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Bonne après-midi. Bonne journée. Bye, bye. Allez, bonne journée à tous. Merci Gérard. Merci. Micro t'as la piste de GG. C'est pour ça Mars, Doc Jazz. Bobby a fait le taf comme d'hab. Dans les coulisses, c'est branle-bas de combat. J'attends que les beats partent, public clap, petite frappe, on s'écarte. Tu kiffes pas les petites claques, je reviens plaquer les cartes. À ceux qui me suivent, surtout ne vous étonnez pas, ce rap. Ce n'est pas un comeback, mais un nouveau départ. Depuis que le rap demeure en tourment, j'ai gratté tout un tas de pages pour ne pas perdre le mouvement. Et comme à la maison ne fait pas crédit, je me suis creusé la tête afin que mes textes soient crédibles. Je n'attends pas que le succès m'enlace avec ses tentacules. Ce jeu de moi est tout comme Diams me renvoie dans ma bulle. Dans ma bulle, tant d'abus, tant trappe nul, tant trapule. On en fait de la variette, mais je n'oublie pas qu'il est né dans la rue. Non, mais regardez-moi un peu toutes ces pâles copies. Non, pour but que faire de la thune, t'as tête ou t'as de coquine. Moi, je n'ai pas choisi le rap pour faire un tas de copines. Et si son cœur s'arrête, je ferai sa dose d'atropine. Parce qu'il est le son de mon enfance. Peut-être que pour en vivre, j'aurais mieux fait de pas venir au monde en France. Où la tendance est de prendre des tocards pour des génies. Ouvrez les yeux, ça fait bientôt deux décennies. Je les vois tous tremblants, espérant sur la scène, autotune ne va pas flancher. Moi je peux pas faire semblant. Passez-moi les mics, leur machine est enclenchée. Le beat part, public clap, petite frappe, on s'écarte. Tu kiffes pas les petites claques, je reviens plaquer les cartes. Pas creuser les cartes, je n'ai que faire de ces attardés. Je passe moi au-dessus, dans le but de les bombarder. J'ai cette nostalgie des années 90. Ils ont tué le rap en nous laissant tout un tas d'indices. Alors je les cherche tel un inspecteur. Ils ont éteint la flamme, je les appelle rappeurs extincteurs. Obligé de le dire, ça me fait mal, mais mon ami sature. J'ai mal de voir comprendre pour ça toutes ces caricatures. Dictature, les vrais rappeurs dérangent nos élites. Alors elles les font taire et laissent la merde remplir des zéniths. Microphone branché, attention branché. Pour rattraper le retard, on passe la cinquième pied au plancher. J'ai dit microphone branché, attention branché. On débarque dans le move, tant pis pour ceux que ça va déranger. Péter le score n'a jamais fait partie de mes aspirations. Quand Bobby m'envoie une prod, ça me donne des palpitations. J'éclate sans hésitation, tu veux la guerre, plus rien à perdre. Je remets la merde à bord des thèmes qui demandent méditation. Est-ce ma faute si le rap est devenu apathique? C'est qu'incomprise par la plupart de ceux qui la pratiquent. Puisque le hip-hop c'est resté authentique, comment est-il possible que tout cet encart puisse se faire autant de fric? Je dis ça sur un air sarcastique, mais quand j'entends leur son, je foutrais bien ma tête dans un sac plastique. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Balayons les parasites qui nous font saigner les tympans. Je les vois tous tremblants, espérant que sur la scène autotune ne va pas flancher. Moi je veux pas faire semblant. Passez-moi les mics, la machine est enclenchée. Le beat par public clap, petite frappe, on s'écarte. Tu kiffes pas les petites claques, je viens plaquer les cartes. Pas creuser les cartes. Strap, ce n'est pas un comeback mais un nouveau départ. Vous écoutez Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. À vous les studios. Et nous voici de retour sur Radio Biarritz, la radio du fun Thomas. De l'authenticité. Et des vagues. Yeah man. Et on avions une surfeuse de charme. Et quel charme les gars, de l'élégance, du charme, du calme. Surfait sur tous les arts vivants. Surfait.
Qui surfait. Moi, c'est encore un point pour Patrick. Les arts vivants, la danse, le théâtre, ouais. Enfin, elle est partout, le surf. Une chef d'entreprise hors pair. Oui, voilà. Qu'il faut aller voir. Voilà, alors, avec un spectacle magnifique, d'un très très bon niveau. Donc, la gare du midi, excellent. Le samedi 16 avril à 20h30. Et alors, attendez, elle nous a fait un gros cadeau extraordinaire qui sera pour vous si vous nous appelez au 06 51 53 28 26. C'est... Ben, on va lancer donc la roue de la chance. Parce que c'est pas encore lancé cette roue. Mi-avril. Voilà. La roue de la chance mi-avril. Donc il faudra nous appeler sur Radio Biarritz. Ouais. Et puis faire tourner la roue à un chroniqueur. Vous le choisirez un peu comme ça se fait dans les radios un peu classiques. Une main innocente. Alors il va falloir en recruter les gars. Ouais. Les mains parce que les innocents, c'est pas Radio Biarritz. C'est pas chez Radio Biarritz. Mais si on est innocent de dame. Oh là là. Mais c'est beau tout ça. On a toujours une certaine innocence quand même. Oui, voilà. C'est vrai. Qu'on a gardée dans notre enfance. Oui, surtout toi, Margaret. Moi, j'ai toujours gardé mon innocence. On dirait une petite fille. Tu devrais te laisser les couettes. Ouais. Je vais mettre la perruque la prochaine fois. Je suis une poupée de sirène. Donc, n'oubliez pas la roue de la chance à partir de mi-avril. Vous serez au courant. Là, j'ai commencé un peu à partager. Ouais. N'hésitez pas à partager. Et puis, annonce. Si vous avez envie de vous faire connaître, connaître vos services, faire en tant que si vous êtes profession libérale, faire connaître votre entreprise, faire connaître vos commerces, faire connaître je ne sais quoi, votre musique, vos spectacles, votre musique, vos films, vos tout vidéos, tout ce qui fait la vie à si vous avez envie de faire plaisir, exactement, votre sport, si vous avez envie de faire plaisir aux auditeurs, passez par nous, on parlera de vous et en même temps on fera plaisir aux auditeurs grâce à la roue de la chance. Alors donc le premier cadeau, une place donc pour assister au super spectacle disco de donc Anna Smile et compagnie. Exactement. Et le 12, on aura un autre. Je vous dis, c'était un secret, mais je vais vous le dire quand même. Parce qu'on c'est plus un secret, tout. Patrick. Mais Sandrine aussi, une actrice aussi, une artiste qu'on va recevoir le 12. Nous a prévu aussi de nous offrir une place de spectacle. Voilà, d'un spectacle qui a l'air vraiment intéressant. Hein. On en a parlé la dernière fois. Ouais. Donc voilà. Alors, en attendant, le premier spectacle, vraiment, c'est en face du studio, c'est au Colisée. Oui. Et c'est avec Antoine Boyer et Samuel Ito, qui sont deux guitaristes époustouflants. Locaux, vraiment. Mais internationaux. Des vrais biarrots, quoi. Voilà. Alors, du jazz manouche. C'est génial. Non, mais ça va être vraiment fantastique. Revisité, apparemment. Un truc de fou. Donc c'est mercredi, c'est demain à 19h30 au Colisée. Soyez présents. Je crois que il y a plus de place, mais on ne sait jamais. Essayez quand même. Faut tenter. Sinon, ils reviendront dans nos studios bientôt. Oui. On les verra comme ça. Jeudi. Jeudi. Oh là là. Vas-y, dis-nous tout. Jeudi, on a Canary Kitchen qui va venir animer à la radio. Tremplin. Et oui. Comme tous les mois. Voilà, c'est ça. Du tango argentin. Ouf. Et oui, alors du tango argentin. Et là, parce que tout le monde me regarde pour savoir le nom de. Oui. Du couple. Oui, de Catherine. Oui. De Karine. De Corinne. Patrick avec les prénoms, ils s'en mêlent les pinceaux. Non, en plus je l'ai noté. Non, écoutez, où sont tes notes, Patrick? Anaïs, il me faut une fessée. Oh là là. Alors attends. Ce groupe formidable, hein, ça c'est vraiment ce duo. Ouais. Ils vont nous apprendre, ils vont nous faire. On les a croisés au book. Quand nous avons été à la Luna Negra, voir les Canary Kitchen, c'était un très très beau spectacle. Et donc on les a croisés. Donc voilà, ça sera pour jeudi matin. Donc soyez vraiment à l'écoute jeudi matin. Ouais. Je vais vous dire les gars. Il va nous dire. Le temps qu'il cherche. Il faut qu'il cherche. Mais non, mais c'est pas possible. Sinon, vous savez que vous pouvez aussi donc nous envoyer des MP3 pour tous les musiciens à l'adresse maradio@radiobiarritz.fr. Maradio@radiobiarritz.fr. Exactement. Ça, vraiment, n'hésitez pas. Comme ça,
on vous passe sur notre bande là, et puis à la limite on vous invite aussi. Et puis en attendant que Patrick trouve, je vais quand même vous annoncer mon invité du mardi 5 avril. C'est une femme extraordinaire, c'est Laetitia Casabianca. Je croyais Laetitia Casta. Non, c'est. T'aurais mais, bien aimé. Hein. Non, mais disons que j'aurais pas séché cette fois-ci. Non, mais. C'est une femme de grand talent. C'est une chef de chœur. C'est une passionnée de musique avec un talent fou qui sait partager son talent. Elle a été chef de chœur au conservatoire de Bayonne. D'ailleurs, grâce à elle, j'ai pu chanter le Requiem de Mozart. Et c'est tellement puissant. Et tu nous caches tout ça, Maëlia. Ouais. J'ai chanté le Requiem de Mozart deux fois. J'en ai 203 sur les zones de Radio Biarritz. J'aimerais bien. Et là, maintenant, elle a créé aussi des groupes différents. Elle a fait la même école que moi. C'est le CIM. C'est une super école de jazz à Paris. Donc, qu'on a fait il y a quelques années. Voilà. Donc, c'est une grande femme de talent, de cœur, d'authenticité. Vous allez voir, elle est vraiment comme on est, nous, à Radio Biarritz. Exactement. Alors, du talent, de l'authenticité. Donc, jeudi, en faisant du tango, avec Christine Lambert et Antonio Liamas. Connaît les noms des personnages. Alors vous verrez, les affichettes, elles sont sur le Facebook radiobiarritz.fr. En fait, on publie tout sur Radio Biarritz. Donc allez-y, likez. Voilà. Comme ça, vous recevrez tout ce qu'on publie sur radiobiarritz.fr. N'oubliez pas la playlist aussi. Disons, toutes nos vidéos sont sur... toutes les matinales, toutes les vidéos importantes sont sur le site internet. En podcast. Mm-hmm. Et puis sur la playlist YouTube. Mm-hmm. Ouais. Comme ça, vous pourrez tous nous revoir. Donc, vous tapez Radio Biarritz sur YouTube. Mm-hmm. Et c'est direct, sur Odyssée aussi. Voilà. Et on a aussi une nouvelle chronique sur un peu la Gazette de Biarritz. Si est en cours. Si vous avez des nouvelles, si vous avez des choses un peu originales ou différentes, ou même à annoncer, appelez-nous. Appelez-nous, on va essayer une fois par semaine de faire un point sur une actualité. Ce qu'on aimerait faire, c'est parler de tout ce qui fait la dynamique dans Biarritz, tout ce qui dynamise Biarritz. De manière, les aspects économiques, donc les créations d'entreprises, de commerce, les associations qui se créent, etc. Mmh. Donc essayer aussi de voir si on peut pas faire venir dans ce cadre-là aussi les gens. Tout à fait, surtout qu'il y a quelqu'un qui viendra aussi. Oui, là on travaille aussi une chronique plus dédiée aux chefs d'entreprise avec... avec avocats, notaires, etc. Donc là, ça va être sérieux, mais avec l'esprit Radio Biarritz quand même. Ouais, voilà. Et donc du coup, ce bulletin Biarro, ça sera moins des annonces spectacles. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. En tout cas, pas cette liste. Nous, on annonce les gens qui viennent nous voir, qui nous téléphonent. Tout à fait. Avec grand plaisir. Mmh. Et après, c'était l'économie. Après, ce que j'aimerais aussi éclairer dans la dynamique aussi, c'est tout ce en fait, parce que on est dans un pays où l'administration a un rôle est censé aussi dynamiser en fait une ville. On va essayer d'éclairer un peu de tout ce qui se décide, de tout ce qui se réfléchit au sein de la municipalité, en fait, de tous les acteurs administratifs qui s'occupent de la ville. Parce qu'il n'y a pas que la mairie, et de moins en moins. Alors ça. C'est le parti pris que je prends, c'est que je suis partisan que les maires s'occupent 100% de la ville, dans tous les aspects, dans tous les domaines. Mmh. Ben ça, on pourra en discuter, parce que le millefeuille administratif, malheureusement, même au niveau local, et c'est compliqué de savoir qui décide, tu vois, on délègue, ça s'appelle les délégations. On comprendra tout ça petit à petit. Et il y a quelque chose aussi qui va être passionnant, c'est tous les jeunes, la façon dont ils créent, la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux. Je vois des choses vraiment formidables, des gens qui créent pour des gens un peu plus anciens comme nous. Donc ça, si vous êtes vraiment dans cette espèce d'effervescence de création, venez nous en parler. Exactement. Et
une utilisation très particulière. C'est-à-dire que moi, je remarque que les jeunes, en fait, sont attirés aussi par l'authenticité, les contacts réels. Mmh. Et en fait, les réseaux sociaux... les réseaux sociaux sont là pour appeler. Pour communiquer un peu plus vite, peut-être. Voilà. Pour appeler, voilà. Communiquer, voilà. Se tenir au courant. Quand même, ouais. Mais ils ont besoin du contact, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Je trouve que le contact, en fait, il y a plein d'initiatives. Ouais. Proposer, par exemple, sur Instagram, il y a des pages magnifiques, en plus, avec un sens artistique. Voilà, ça, c'est, ça démarche. Mais Non, ça veut dire qu'ils partent de ça, de la page Instagram, pour créer dans le réel. Et je trouve que c'est une autre façon de faire, mais qui marche bien. Voilà. Oui, mais même que ce soit les jeunes ou autres, hein, maintenant on utilise toujours ces pages-là. Moi je le vois bien dans mon groupe, je ne communique pas, j'aurai moins de personnes qui viendront partir sur les routes avec moi. Voilà. Voilà, parce que tu es obligé de téléphoner autrement chaque personne, tu n'es pas obligé d'avoir son téléphone et tout, alors que sur une page Instagram, ils y vont régulièrement pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Personnellement, je n'ai pas le réflexe encore. Instagram ou Facebook, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a Instagram. Non, mais c'est intéressant selon la façon dont tu l'utilises. Non, mais d'accord, mais parce que là, il faut. Mais il y a moi, je cherche des alternatives parce qu'il faut, mais n'oubliez pas, moi, je vois par exemple les jeunes qui sont autour de moi. En fait, ils ont conscience que tout ce qu'ils y mettent dessus est capté pour faire je ne sais quoi. Mmh. En fait, c'est capté. Ils en ont conscience, donc ils ne mettent pas leur vrai. Ils se mettent en scène. Non, mais on ne parle pas de ça. On parle de choses qui se créent pour fédérer un peu, par exemple, je sais pas, un truc en décoration. C'est ça, pour mes voitures. Oui, faire connaître Je ne vais pas sur ces... Voilà, parce qu'ils cherchent les infos sur ces produits. Tout à fait. Et voilà. Il y a les mots-clés. C'est ça. Tu trouves... Et donc il faut le faire bien en amont et pour pouvoir qu'ils soient et ils le savent et ils créent des événements, on crée des événements. Moi par exemple quand je crée mon événement sur Facebook ou sur Instagram, eh bien je demande qui veut participer, qui veut peut-être venir ou voilà. Et comment il s'appelle ton groupe ? Eh bien c'est le groupe Pays Basque Auto Passion. Ouais, parce que Margaret, elle n'a pas qu'une passion, la bonne table, des automobiles. Et justement, je voulais vous en parler, là, le 10 avril, eh bien, j'organise une sortie avec des véhicules de toutes sortes. Il va y avoir des anciens, des modernes, des Porsche, enfin un petit peu de tout, mais beaucoup de véhicules de sport. Et donc, on va faire un grand tour sur le côté Laro, Irati, on va faire des cols, des montagnes, et on va déjeuner dans une belle auberge. Donc éventuellement si vous êtes intéressé, allez sur mon groupe qui s'appelle Pays Basque, Auto Passion. Et groupe Facebook, Instagram. T'as pas de Telegram, toi, t'as pas de groupe Telegram? Après Telegram c'est plus pour communiquer. C'est comme Messenger, Telegram, si tu veux. Et non, Telegram c'est tu peux pas faire d'annonce. Ah si, au contraire. Au contraire, toutes les chaînes, en fait, tu peux faire une chaîne où tu publies, tu peux interagir sur tes publications ou pas, tu crées des groupes ou pas, tu crées des chaînes associées à des groupes. Oui. Non, c'est-à-dire que ce moment-là, sur Messenger, si tu veux, j'ai tout mon groupe, j'ai tout le réseau du groupe et là, on communique entre nous. Oui, mais Messenger, c'est comme c'est un SMS plus. Et Telegram, c'est un peu aussi comme ça. Non, c'est eh bien, regardera, je te montrerai. Je sais pas, il doit connaître Thomas, lui, qui est à fond aussi. Allez, vas-y Thomas, dis-nous un petit peu. Non. Telegram, et juste comme ça pour nos auditeurs. Telegram, c'est un super Facebook, plus un super Messenger, plus un super WhatsApp. Mmh. C'est tout ça mélangé. Oui, c'est vrai. Voilà, donc tu peux plier toutes sortes de sources, alors que tu peux mettre que du JPEG ou des vidéos. Oui, et c'est des messages en plus que tu peux éliminer rapidement. Tu peux... En plus, c'est assez éliminer fun. Éliminer la cible. Mais c'est ça. Bang, bang. Et surtout c'est protégé, en fait. Les informations, en théorie, ne sont pas communiquées, en tout cas. C'est ce qui se dit. Oui, c'est crypté, etc. Mm. Voilà, ils annoncent ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des alternatives. Ouais.
Et alors justement, moi je voudrais en profiter quand même pour dire que j'organise depuis à peu près oui, deux voilà. ans. Oui, voilà. Alors à toi. Oh. Des ateliers donc santé, bien-être, méditation. C'est autour de la méditation pleine conscience qui est vraiment aujourd'hui dont les bienfaits ne sont plus à décrire tellement que c'est utilisé dans toutes les cliniques, les hôpitaux. On se rend compte que c'est une extraordinaire alternative à des médicaments, à des antidépresseurs. Ça vient parler du mieux-être, de la joie. C'est vraiment au cœur de la poésie de chacun. Et c'est accessible très facilement. Donc j'ai la chance d'avoir créé deux programmes sur l'application Petit Bambou, qui est une application qui réunit plus de 8 millions de personnes dans le monde. Et j'ai fait un programme donc pour arrêter de fumer. Ah, Margaret, oui. Et un programme autour du deuil. Je ne fume plus, moi, je ne fume plus. Et vraiment, voilà, on est aussi en train d'ouvrir plein d'autres façons d'être au monde, qui est plus justement dans l'authenticité, dans apprendre qui on est, mais autrement qu'avec tout ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui. C'est beau. Donc c'est sur Facebook, c'est atelier, le petit bambou. Atelier santé, bien-être, méditation, et puis l'application Petit Bambou qui est disponible, vous verrez. Dans plusieurs ouais, elle est connue, mais c'est un abonnement, non? Il y a un abonnement de 6€ à peu près par mois. Donc on peut prendre un mois. Voilà, si on veut. Voilà, voilà. Je voulais juste... Ah, vous écoutez Radio Biarritz. Il a raison, il m'est la vrai. Radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Bravo, vague. Alors. Je voulais juste vous annoncer que aussi, à partir du mois d'avril, parce que je laisse tranquillement après 3 semaines de vacances, le temps que je me pose et tout ça, je vais reprendre mes chroniques quand même le jeudi. Voilà, je vous dis pas d'heure parce que moi je pense que ça sera en fin de matinée sur la restauration, la bonne table. Voilà, parce que je vous ai laissé tomber et un petit peu, cher ami auditeur, mais non, je vais vite reprendre le flambeau et voilà. Donc, super. On n'a pas régaler. Laissé tomber Twin Sweet Chilis qu'on va s'écouter tout de suite. Merci les filles pour toutes ces annonces. Ciao. Pour votre charme, pour toutes vos invités, pour tout ce que vous apportez à Radio Biarritz. Okay. Merci l'équipe. Merci à toute l'équipe Radio Biarritz et merci aux auditeurs de nous écouter tous les jours. Allez, on s'arrête.
wish I was born in California. I wish I was born in California. Your body, girl, damn, is hot like California, like California, like California sun. Just living. All these pretty women, by tonight I'll be swimming in them. Yes, I need.